Salut, salut, c'est moi de retour. Ben, un grand merci encore à Asma et à Tom. Et c'est le temps de, comme vous l'avez vu dans le nouveau jingle, de la chronique culture. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu vidéo qui s'appelle Venba. Voilà, donc bah écoutez, Venba, avant de vous en parler, je vais vous montrer une petite vidéo, le trailer, le clip qu'ils ont sorti quand ils ont sorti le jeu vidéo. Ça dure 40 secondes et comme ça vous aurez déjà une meilleure idée de à quoi ça ressemble. Allez, je vous passe ça tout de suite et à tout de suite. Hop. Et voilà, ça, c'était donc Venba. Venba, donc en fait, je voulais vous présenter ce jeu vidéo. Je pense qu'il est intéressant pour pas mal de principes. Mais déjà, je vais commencer par vous en parler un petit peu. Donc voilà, c'est le premier jeu vidéo qu'on présente ici à la NUPES dans la chronique culture. Et c'est un jeu qui a été créé par Visaï Studio, donc c'est un petit studio indépendant. Il y a vraiment je crois, moins de 10 personnes qui ont travaillé dessus. Et en fait, c'est un jeu de réflexion et de puzzle qui relie les thèmes de l'immigration et en fait, le thème de la cuisine. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre comme ça a priori, mais comme vous l'avez vu en fait, mais vous avez vu la vidéo, donc vous avez déjà une petite idée sans doute de à quoi ça peut ressembler. Alors, en fait, c'est une durée d'environ 1 heure et demie à 2 heures, donc c'est vraiment un petit jeu vidéo qui est malheureusement uniquement en anglais. Donc, si vous n'êtes pas anglophone, ce sera relativement compliqué. Ça, désolé pour ça. Mais en fait, vous suivez l'histoire de cette famille. C'est une famille indienne, même pour être plus précis, une famille tamoule qui est venue au Canada en espérant une vie meilleure. Et alors que la vie au Canada se fait en fait plus compliquée que prévu, la Venba, qui est donc l'héroïne principale, apprend qu'elle est enceinte et toutes les priorités du couple vont changer. Et donc en fait, on va arrêter, le couple va arrêter de penser être ici au Canada pour vivre une vie meilleure, mais en fait veut maintenant donner une vie meilleure à leur enfant. Et donc on va suivre cette famille chapitre par chapitre à travers toutes leurs difficultés. Donc déjà les difficultés pour trouver de l'emploi, mais aussi le mal du pays. Il y a le déracinement qui est traité effectivement dans ce jeu vidéo, et aussi un peu ce tiraillement que peuvent avoir certaines familles entre garder cet équilibre entre sauvegarder leur héritage culturel, mais aussi s'intégrer complètement dans la société locale, et là en particulier c'est la société canadienne. Et donc chacun de ces chapitres va être illustré par un plat donc un plat tamoul du sud de l'Inde que vous allez devoir en fait faire. Donc vous allez avoir une recette qui est la recette de la grand-mère, et le problème c'est que cette recette est incomplète. Et donc en fait vous allez avoir un petit puzzle. Vous devrez en fait reproduire cette recette et deviner certains passages pour pouvoir refaire ce plat qui est un plat que ensuite la famille va partager. Vous allez voir ensuite chapitre par chapitre l'évolution de cette famille.
Et donc, en fait, je trouve que ce jeu est plutôt intéressant à voir, et c'est intéressant aussi d'y jouer soi-même, parce que souvent dans le débat public, quand on parle d'immigration, on parle aussi beaucoup d'intégration, mais en fait, il n'y a pas vraiment de... Les gens, je pense, ont... Pas mal de gens, je pense, ont du mal à se projeter dans de savoir ce que c'est que vraiment l'intégration, en fait. Il y a pas, c'est un mot comme ça, bah oui, il faut être intégré, etc. Mais il y a pas forcément cet aspect concret derrière ce jeu-là, derrière ce mot-là. Donc dans ce jeu, justement, en fait, on voit que cette famille, bah c'est une famille donc d'exilés qui sacrifient tout pour donner une meilleure vie à leur enfant. Et en fait, dans toutes ces problématiques qui sont vraiment spécifiques à des problématiques d'une famille d'exilés, bah, je pense que c'est assez intéressant de voir en fait que par exemple leur enfant n'arrive pas à maîtriser la langue maternelle des parents. Il y a une question aussi de violence raciste dans ce jeu. Il y a la situation de déracinement, donc vraiment la souffrance de ne pas être là près de ses proches lorsqu'ils traversent des phases difficiles de leur vie, et des thèmes assez aussi beaucoup plus pragmatiques. Mais comment est-ce qu'on trouve un emploi quand on vient d'arriver dans un pays et que malheureusement on n'a pas forcément tous les codes de cette société dans laquelle on arrive. Et donc voilà, c'est une très belle histoire, Vemba, et que je vous recommande chaudement, parce que ça va rendre vos yeux humides. Hein. C'est quand même un jeu assez nostalgique et triste, mais à la fois quand même assez chouette. Et ça donne aussi un peu du souffle, ça donne vraiment l'envie de se battre pour que des familles comme cette famille qu'on incarne dans le jeu, qu'on suit dans le jeu, bah, en fait puissent s'en sortir tout simplement. Et bah, en tant que Française et Français de l'étranger, bon, on reste en Europe, évidemment, ça n'a rien à voir comme déplacement que celui que cette famille a fait. Mais bon, malgré tout, on se pose un certain nombre de questions quand on est comme ça dans un pays étranger. Et bah voilà, par exemple, moi je peux vous dire simplement, j'ai jamais été dans la situation de cette famille-là. Hein. Moi, je suis un mec blanc qui a voyagé pas très très loin de son pays quand même. Mais malgré tout, ça m'a fait penser à, bah en fait, une histoire de famille qui sont que bah, mes grands-parents étaient italiens, étaient ouvriers et sont arrivés en France. Voilà, sont arrivés en France pour essayer de gagner leur croûte, grosso modo, hein, c'était vraiment ça. Et en fait, ils ont dû faire des choix quand même simplement lors de bah, quand ils ont eu mon père, et notamment en fait, par exemple, est-ce qu'on lui apprend ou pas l'italien? Et donc ça, c'est un choix qu'ils ont dû faire et qu'ils ont décidé de faire contre ça, parce que c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que bah, la France n'était pas une société extrêmement docile, et c'était assez hostile quand même à un certain nombre de personnes, et notamment des personnes qui parlaient pas forcément le français à l'époque, quoi. Donc voilà, c'est un beau jeu vidéo, il y a vraiment qui a été fait par une petite équipe indépendante. Donc moi je vous le recommande chaudement. Ça parle de plein de sujets différents, et c'est assez nostalgique. Ça va vous faire un peu la larme à l'œil, et puis peut-être vous rappeler des histoires familiales, pourquoi pas en tout cas. Donc voilà, c'est un grosse recommandation, mais encore malheureusement, il est uniquement en anglais. Et par contre, vous pouvez le retrouver sur PC, sur PlayStation, sur Xbox, etc. Donc il y a quand même pas mal de plateformes, et ça reste quand même très 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 très, très accessible. Donc voilà pour le premier jeu vidéo qu'on présente dans Allo la NUPES. Et du coup, comme bah, je mentionnais, comme je mentionnais, bah, c'est comme le thème du jeu est notamment l'immigration, bah, on va continuer un peu sur ce thème-là avec Maxime et Mathias. Je vais juste repasser un petit jingle, et puis on va aller retrouver juste après ce jingle. À tout de suite.